Le Mall Gallery annonce la tenue d'une exposition prévue le mois prochain. Un portrait de Kate Middleton, princesse de Galles, sera mis en vente lors de l'exposition. Si est-il le célèbre peintre Francis Salvesen qui a peint le portrait de la princesse de Galles. Kate Middleton, princesse de Galles, sera mise à l'honneur le mois prochain. Une exposition aura lieu en mars au Mall Gallery. Un magnifique portrait à l'huile de la princesse de Galles y sera exposé et mis en vente. La peinture à l'huile a été réalisée par le peintre Francis Salvesen. L'entrée à l'exposition est gratuite pour tout le monde. Cependant, le portrait de la princesse de Galles, 41 ans, y sera proposé pour une coquette somme. L'exposition est gratuite, et le tableau est en vente pour la modique somme de 8500 livres, peut-on lire sur la publication Twitter de Rebecca English du 2 février 2023. On apprend que le thème de l'exposition est les joies d'être britannique. Le superbe portrait de l'épouse du prince William, prince de Galles, 40 ans, ne sera évidemment pas l'unique centre d'intérêt de l'exposition. En effet, sur le site web de la galerie d'art on peut lire qu'après avoir réalisé la commande de Sa Majesté le Sultan Ibrahim de Johor et peint Son Altesse Royale la Princesse de Galles, cette exposition de peinture de l'artiste britannique Francis Salvesen reprend nombre de nos traditions britanniques. Le communiqué mentionne donc les autres sujets d'exposition comme, les animaux et les oiseaux, les paysages et les marines, la danse et le sport qui sont toutes des choses brillantes et belles. Kate Middleton, la princesse de Galles partage d'adorables photos et des vidéos sur Instagram. Les tableaux du peintre sont tous accompagnés d'un poème. Le poème décrit l'inspiration de l'artiste. Parallèlement, Kate Middleton a lancé sa nouvelle initiative sur le développement de la petite enfance. Sur un nouveau compte Instagram, la princesse de Galles partage de superbes photos et vidéos des coulisses, rapporte Express. Co.uk. D'après le média britannique, cette nouvelle page est destinée à la Royal Foundation Centre for Early Childhood. On a récemment eu droit à une vidéo touchante de la maman de George, Charlotte et Louis auprès d'enfants de 4 à 5 ans.